Nous allons lire Exode 22 à 24. 22. Si un voleur est surpris la nuit en flagrant délit d'effraction et qu'il reçoive un coup mortel, on ne considérera pas cela comme un meurtre. Mais si la chose arrive alors que le soleil est levé, c'est un meurtre. Si un voleur n'a pas les moyens d'indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave. Si une bête volée, bœuf, âne, mouton ou chèvre est retrouvée vivante chez le voleur, il devra alors restituer cette bête-là, plus une autre. Les atteintes à la propriété. Si un homme laisse son bétail brouter le champ ou la vigne d'un autre propriétaire, il devra donner comme compensation les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Si un homme brûle des buissons épineux, et que le feu s'étende à des gerbes de blé, à des épis mûrs ou même à du blé encore en herbe, en tant que responsable de l'incendie, il devra indemniser le propriétaire. Si un homme reçoit en dépôt d'un autre de l'argent ou des objets de valeur, et qu'un voleur s'en empare dans sa maison, le voleur, s'il est retrouvé, devra rembourser le double. Si le voleur n'est pas retrouvé, l'homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu'il ne s'est pas emparé lui-même des biens de l'autre. Contenant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n'importe quel objet perdu, les deux personnes revendiquant la propriété de l'animal ou de l'objet devront se présenter devant Dieu. Celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l'autre. Supposons qu'un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête et que la bête meure, la blessure ou soit relevée par les pillards sans que personne en soit témoin. Le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu'il ne s'est pas emparé lui-même du bien de l'autre. Le propriétaire de l'animal acceptera ce serment et le voisin n'aura pas de compensation à verser. Par contre, si le voisin s'est fait voler de l'animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire. Si l'animal a été tué par une bête sauvage, l'homme devra en apporter les restes comme preuve et dès lors, il n'aura rien à rembourser. Si un homme emprunte une bête à son voisin et que la bête se blesse ou meurt en l'absence du propriétaire, l'emprunteur devra la rembourser. Par contre, si le propriétaire était présent, l'emprunteur n'aura rien à rembourser. Si la bête était prise en location, le prix de location sera considéré comme remboursement. Lois morales et religieuses diverses. Si un homme séduit une jeune fille et n'est pas encore fiancé et qu'il couche avec elle, il devra l'épouser en remettant au père le cadeau traditionnel. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l'équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille. Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Celui qui s'accouple à un animal doit être mis à mort. Celui qui offre des sacrifices à des dieux étrangers, au lieu d'en offrir seulement au Seigneur, doit être mis à mort. Vous ne devez pas maltraiter ou exploiter les étrangers installés chez vous. Rappelez-vous que vous étiez aussi des étrangers en Égypte. N'opprimez pas non plus les veuves et les orphelins. Si vous les opprimez, ils m'appelleront à leur secours, moi, le Seigneur, et je vous assure que j'entendrai leur appel. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors ce seront vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si vous prêtez de l'argent à un compatriote pauvre, n'agissez pas comme les autres créanciers, ne lui réclamez pas d'intérêt. Si vous prenez en gage le manteau de quelqu'un, rendez-le lui avant le coucher du soleil, car il n'a que cela pour se couvrir et protéger son corps. S'il en est privé, dans quoi s'enveloppera-t-il pour se coucher? Il m'appellera au secours et je l'entendrai, car je suis un Dieu bienveillant. Vous ne devez ni m'insulter, moi, votre Dieu, ni maudire le chef de votre peuple. Vous devez m'apporter sans retard la part qui me revient de vos moissons et de vos vendanges. Vous devez me consacrer l'aîné de vos fils. Concerne le premier petit d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre, on doit le laisser pendant 7 jours auprès de sa mère. Le 8e jour, offrez-le-moi en sacrifice.
cherche à fausser le cours de la justice, ne favorisez personne lors d'un procès, même pas un pauvre. Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre, aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. Ne faussez pas le cours de la justice, même si c'est un indigent qui s'adresse à vous lors d'un procès. Ne prêtez pas l'oreille à des propos mensongers. Ne condamnez pas à mort un innocent ou un homme honnête, car moi, le Seigneur, je ne tiens pas pour innocent celui qui commet une telle injustice. Ne vous laissez pas corrompre par les cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions des gens honnêtes. N'opprimez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu'ils peuvent éprouver puisque vous avez été vous-même des étrangers en Égypte. L'année du repos est le jour du repos. Pendant 6 années successives, vous pouvez ensemencer vos terres, en récolter les produits. Mais la 7e année, vous devez laisser le sol complètement en repos. Vos compatriotes pauvres y trouveront de quoi se nourrir, puis les animaux sauvages mangeront le reste. Vous agirez de même avec vos vignes et vos oliviers. Vous avez 6 jours dans la semaine pour accomplir votre ouvrage, mais le 7e jour, vous cesserez toute activité afin que vos bœufs et vos ânes puissent se reposer et que les serviteurs et les étrangers puissent reprendre haleine. Observez scrupuleusement ce que moi, le Seigneur, je vous ai ordonné. Veillez particulièrement à ne jamais invoquer les dieux étrangers, qu'on ne vous entende même pas mentionner leur nom. Les fêtes à observer en Israël, comparé 34.18.26 et Déut 16.1 à 17. Chaque année, vous devez célébrer 3 fêtes en mon honneur. La première fête que vous célébrerez sera celle des pains et du levain durant les 7 jours fixés au mois d'Abib. Vous mangerez du pain sans levain comme je vous l'ai ordonné. C'est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l'Égypte. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Vous célébrerez ensuite la fête des moissons au moment où vous moissonnez les premiers produits des champs que vous cultivez. Et en automne, à la fin de l'année, vous célébrerez la fête de la récolte lorsque vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront donc se présenter 3 fois devant moi, le Maître, le Seigneur. Vous ne m'apporterez pas d'offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d'animaux. Vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu'au lendemain matin. Vous viendrez présenter les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire, car je suis le Seigneur votre Dieu, mais vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Promesse et instruction avant le départ. Je vais envoyer un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez bien soin de lui obéir, de ne pas vous montrer insoumis. Il ne supporterait pas votre révolte, car il agit en mon nom. Si vous lui obéissez fidèlement, si vous accomplissez scrupuleusement ce que je vous ordonne, moi, le Seigneur, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périssites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai les peuples. Mais vous ne devez pas vous incliner devant leurs dieux pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez leurs pierres dressées. Et c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez. Alors je vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson, et en vous préservant des maladies. Dans votre pays, il n'y aura plus de femmes qui avortent et qui souffrent de stérilité, et je vous accorderai de vivre longtemps. Voici ce que je provoquerai à la nouvelle de votre approche. Des nations seront terrifiées. Tous les peuples chez qui vous pénétrerez seront mis en déroute, et vos ennemis tourneront tous le dos pour s'enfuir. J'enverrai aussi devant tous les frelons qui mettront en fuite les Hivites, les Cananéens et les Hittites avant même votre arrivée. Cependant, je ne ferai pas fuir tous les peuples devant vous la même année. S'il en était ainsi, le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Je chasserai vos ennemis peu à peu, au fur et à mesure que vous deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. Finalement, votre territoire s'étendra de la mer des roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, car je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions afin que vous les chassiez. Vous ne conclurez aucune alliance avec eux ou avec leurs dieux. Vous ne leur permettrez pas de demeurer dans votre pays afin qu'ils ne vous entraînent
dit et ordonné. Ils répondirent d'une seule voix : Nous obéirons à tous les ordres du Seigneur. Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il chargea les jeunes hommes israélites de présenter au Seigneur des sacrifices complets et de lui offrir des taureaux en sacrifice de communion. Il mit la moitié du sang des victimes dans des vases et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites déclarèrent : Nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit : Ce sang confirme l'Alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements. Après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait une sorte de plateforme de saphir, d'un bleu pur comme le ciel. Dieu ne fit aucun mal à ces notables Israélites. Ils purent le contempler, puis ils mangèrent et burent. Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Le Seigneur dit à Moïse : Monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les condamnements de la loi, pour que tu les enseignes aux Israélites. Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu. Après avoir dit aux anciens : Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hur restent avec nous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. Pendant que Moïse gravissait la montagne, la fumée la recouvrit. La gloire du Seigneur se posa sur le Sinaï. Aux yeux des Israélites, elle apparaissait comme un feu intense au sommet de la montagne. La fumée cacha la montagne durant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse au milieu de la fumée. Moïse